Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis rouge, j'ai pris des coups de soleil aujourd'hui au cheval. Je vais essayer de me caler pour pas trop bouger parce qu'en fait j'ai besoin de vous parler, c'est hyper important. Donc c'est à propos de Belfast. Belfast a revu le vétérinaire vendredi et donc on a les résultats. Il a en fait un petit bout d'os qui se balade dans ses pattes, donc au niveau du canon ou du boulet, je sais plus. Je crois que c'est du canon. Voilà, enfin bref. Et du coup, ça lui fait mal parce que ça frotte sur ses os. Et donc, ça les abîme. Ça a été détecté très tôt. Et comme il est en croissance, normalement, ses os ne devraient pas trop prendre. Mais du coup, ça nécessite une chirurgie. Donc, qui coûte cher pour le club. En tout cas, c'est assez dur à subventionner pour le club. Donc, du coup, ils font appel aux dons. Donc, tous ceux qui sont aux côtes vont en entendre parler. Les profs font un petit discours au début des cours pour dire qu'il faut l'aider, etc. Puisque c'est quelque chose qui le fait souffrir. Pour le moment, il a mal, puisque ce petit bout d'os l'embête beaucoup. Et donc, il faudrait qu'il soit opéré d'ici 2 à 3 mois. Donc, d'ici 2 à 3 mois, il faudrait qu'on ait récolté un maximum d'argent. Donc, bien sûr que je vais participer. C'est absolument obligatoire que je participe. Je pense donner. Voilà, c'est. Enfin, c'est pas quelque chose dont je vais vous parler ouvertement. Je donnerai la somme que je veux, mais je ne vais pas donner 10 euros parce que c'est un poney que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je veux l'aider un maximum. Donc, du coup, je ne fais pas ça pour me dire, bon, ok, comme ça, dès qu'il est opéré, on fait sa rééducation et après je peux à nouveau le monter. Je fais ça parce que je sais qu'il souffre et que j'ai pas envie de le voir souffrir. C'est un poney qui n'a que 5 ans et qui devrait être en pleine forme. Et aujourd'hui, il n'est pas en pleine forme. Même si dans ma vidéo de la balade, on avait l'impression qu'il allait hyper bien, et bien il se le cache bien puisqu'il souffre. Donc, du coup, ça fait beaucoup de choses à emmagasiner, mais la seule chose qu'il faut que vous reteniez, ce sera dans le titre écrit partout, 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 j'ouvre une cagnotte pour aider Belfast. On est bientôt 3 000 sur la chaîne, donc ne serait-ce que si vous donniez tous 1 euro, on atteindrait les plus de 2 500 euros et on pourrait largement payer la chirurgie de Belfast. 1 euro, c'est rien. Je sais que pour certains, vous allez me dire, oui, tu dis 1 euro, c'est rien, mais 1 euro, enfin ça c'est vraiment, je vous demande d'être solidaire. Je sais que vous connaissez pas ce poney, donc vous pouvez vous demander pourquoi vous donneriez de l'argent pour un poney que vous connaissez pas. Mais enfin, c'est un acte de solidarité. Voilà, moi si vous aviez un de vos poneys qui n'était pas en forme et vous aviez besoin d'aide pour le soigner, je parle bien d'un acte, c'est pour le soigner, c'est pas pour pouvoir lui remonter dessus d'ici 2 mois. C'est vraiment pour le soulager, il a mal et il a besoin d'être soulagé. Le club prendra bien évidemment une partie de la somme, mais ils ne peuvent pas se permettre de payer 2 000 euros, sachant que c'est 2 000 euros la chirurgie environ, ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Et après, il y a la rééducation. Donc si tout se passe bien et qu'il est opéré d'ici 2 à 3 mois, il devrait reprendre dans 6 mois à peu près. Donc voilà. Donc du coup, j'ouvre une cagnotte. J'espère qu'un maximum d'entre vous pourront faire un don. Donc c'est sécurisé, si vos parents sont d'accord pour faire un don, c'est sécurisé qu'il n'ait pas peur, il n'y aura jamais de vol de compte bancaire, etc. Et vous pouvez donner la somme que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez donner 1 euro comme vous pouvez donner 100 euros, comme vous pouvez donner 1 000 euros, vous pouvez vraiment donner la somme que vous voulez, mais ne serait-ce que donner 1 euro, je vous en serais absolument reconnaissante toute ma vie. Et si on arrivait à atteindre un certain prix, je pense que je ferai un concours à l'eau pour vous remercier. Donc je sais que par rapport à ce que je peux gagner, c'est rien un concours à l'eau, mais si vous donnez ne serait-ce que tous 1 euro, vous y gagnez dans un concours à l'eau. Mais après, je veux pas faire genre, bon, vous me donnez de l'argent, vous faites un concours à l'eau, sinon je vous en fais pas. Je vous fais pas du chantage, je veux juste qu'on ait beaucoup d'argent pour pouvoir aider Belfast. Et ça me ferait extrêmement plaisir de voir que du monde est solidaire et que voilà. Donc Emma va sûrement créer une cagnotte aussi. Vous pouvez, si vous ne participez pas au don ou si vous y participez quand même, vous pouvez tout à fait partager la cagnotte. Je l'ai fait aussi partager sur Facebook. Donc si vous m'avez, vous pouvez le faire tourner sur Facebook, en parler à vos proches, à vos amis, à tout le monde que vous connaissez qui serait susceptible d'y participer et de faire un don. Même s'ils veulent pas, vous le faites passer à vos amis, vous leur dites de le faire passer à leurs amis. Il faut qu'un maximum de monde le sache. Donc vous allez me dire que bon, je fais beaucoup de blabla, voilà, que faut que ça fasse le tour du monde.
nom de machin, alors que c'est juste Belfast, voilà, il n'est pas hyper connu, machin, mais ça n'a rien à voir, c'est juste que pour moi, il est hyper important et je veux vraiment l'aider. Donc du coup, que vous fassiez un don comme 1 euro ou un don comme 10 euros, forcément, 10 euros, bah, c'est mieux que 1 euro, mais même si vous donnez que 1 euro, je vous en serai reconnaissante toute la vie, voilà, c'est... Voilà, donc j'espère vraiment qu'un maximum de monde participera. Donc ne soyez pas étonnés si vous allez sur la cagnotte. Donc je précise juste que tous les liens seront en barre d'infos, bien sûr. Le lien de la cagnotte et je sais pas si j'arriverai à mettre celui de Facebook, mais en tout cas le lien de la cagnotte y sera. Donc allez au moins faire un tour. J'ai mis somme à atteindre 2000 euros. Donc n'ayez pas peur, je ne veux pas atteindre les 2000 euros, même si ce serait énorme qu'on les atteigne, je ne pense pas qu'on atteindra 2000 euros. Mais j'ai mis 2000 euros, c'est juste parce que c'est la somme qu'il faudrait atteindre, parce que c'est à peu près le coût de la chirurgie. Mais je veux pas atteindre 2000, enfin si, j'aimerais bien, mais je pense pas atteindre 2000 euros, hein, vous inquiétez pas, c'est pas, voilà, n'ayez pas peur quand vous voyez somme 2000 euros. Hein. Si déjà on arrivait à 500 euros, je pense que ce serait vraiment, vraiment, vraiment super. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Allez y faire un tour. Si vous avez participé, merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Je ferai tout ce que vous voudrez. Voilà. Une pub, bref, ce que vous voulez. Et puis ben, j'espère que vous participerez, que vous serez nombreux à faire tourner, partager, etc. Et je vous fais de gros bisous. Passez sur la cagnotte.